Il fut un temps où tout le monde la regardait, sur M6, alors qu'elle rénovait les maisons les plus mal décorées de France. En 2016, Valérie D'Amido avait sauté le pas, d'une chaîne à l'autre, pour se lancer dans l'aventure Danse avec les stars, lors de la 7e saison du programme diffusé sur TF1. Mais sa participation n'avait pas été accueillie d'un très bon œil, pour des raisons évidemment stupides, elle avait été victime d'une vague et hontée de grossophobie tout au long de sa participation. Thierry Ardisson, lui-même, s'était moqué d'elle, prétendant craindre pour la santé de son partenaire de danse Christian Millette. 46, si est-il gros, le problème est là. En apprenant qu'elle était la cible de pareil ragot, Valérie D'Amido avait préféré prendre la chose à la légère et elle s'était rendue sur le plateau de Thierry Ardisson pour effectuer un porté à la grâce folle, clouant ainsi quelques becs. Malheureusement, la grossophobie a toujours plané au-dessus de la tête de la maman de Roxane et Norman, bien avant, même, qu'elle ne se tente à la valse ou au passo doblé. Quand j'étais, au début, sur des échos, il y a toujours des marques qui veulent prêter des fringues aux animateurs. Et les gens disaient, ah ben non, D'Amido elle est trop grosse, on ne peut rien lui prêter, se souvient-elle. Mais je faisais du 46. 46, si est-il gros, le problème est là. Ce n'est-ce pas aux gens en surpoids de se sentir coupable si elle a décidé d'entreprendre aujourd'hui un régime avec Weight Watcher, ce n'est-ce certainement pas pour faire plaisir aux grossophobes. Valérie D'Amido s'est lancée dans le One Woman Show et elle avait simplement peur d'arriver à bout d'énergie, sur scène, avant la fin du spectacle. Ce n'est-ce pas aux gens en surpoids de se sentir coupable et de changer, confirme-t-elle. Si y est-il le regard des autres. Mais si y est-il valable pour tous les trucs à base de rejet de l'autre, si y est-il parce que tu ne connais pas l'autre. Si y est-il la peur de l'autre. Le gros, le moche, le différent, pas le même pays, pas la même religion. Si y est-il vous qui devez changer de regard. Il y a des choses beaucoup plus graves. Et il y a des baffes qui se perdent. Propos recueillis par Johan Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Pure People. Comme.